Bonjour. Bonjour. Où vous avez découvert ce projet, hein? C'est un professeur de l'école qui a lancé une annonce sur le site et par mail à tous les parents d'élèves pour venir donner un coup de main aujourd'hui pour ce projet. Et que pensez-vous de ce projet justement à l'avenir? C'est bien, faire vivre une école, ça ne peut être que positif, surtout si on apprend aux enfants ce que c'est la nature et ce que c'est que le potager, ce que c'est d'entretenir la nature. Donc très très positif. Merci à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous un petit peu de ce projet, hein? Je suis très emballée par ce projet parce que mes enfants sont dans l'école et qu'ils s'intéressent eux-mêmes à la nature, surtout depuis le confinement où on a eu l'occasion de pouvoir explorer un peu plus cette nature. Et que ce soit au sein de l'école, c'est vraiment un avantage, une découverte en plus avec les amis. Et puis l'énergie aussi des parents, des professeurs qui se mettent autour de ce projet. C'est vraiment une chouette dynamique. Et comment s'est passée votre journée un peu dans l'ensemble? C'était convivial. On a chacun essayé de trouver sa place, voir les postes qu'il y avait à pourvoir, je vais dire, et à approfondir. On a enlevé des souches, on est en train de mettre des barrières, enfin voilà, toutes des petites choses comme ça, tout ça dans une bonne ambiance agréable et avec le soleil. Merci bien à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. D'où est venue l'idée de faire un espace vert? Ben, c'est plus qu'un espace vert, l'idée c'est de créer des endroits où les enfants peuvent se plonger dans la nature en partant du constat de ce qui se passe au niveau de la biodiversité. On se dit que ce sont les enfants qu'il faut sensibiliser le plus possible, ce seront les adultes de demain qui feront attention et qui respecteront certainement plus la nature, quoi. Donc l'idée est partie de là en fait. Et quel est le but à tout ça? Ben, le but c'est d'avoir des outils didactiques qui sont créés ici au sein de l'école, de former les enseignants à l'utilisation de l'outil qui est à leur disposition et de nous-mêmes, en tant qu'ASBL, faire des animations avec les enfants pour connaître la nature, s'émerveiller de la nature et finalement mieux la connaître et mieux la protéger. On voit souvent qu'on fait beaucoup de... les écoles primaires font beaucoup d'espaces verts, mais après il n'y a pas vraiment de suivi en termes pour les adultes qui rentrent dans les rénovés, etc. Et je trouve ça dommage justement qu'il n'y a pas un suivi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Et on est tout à fait d'accord avec ça. Et aussi, d'après ce constat, on a décidé de le faire aussi dans les écoles secondaires. Donc on va notamment le faire, on a déjà fait d'ailleurs une année, on avait fait une journée éco-citoyenne à l'Athénée Royale. Et on était étonnés de l'intérêt que portaient les élèves de la première secondaire jusqu'au réto. Et donc je pense qu'effectivement, il y a tout âge doit être touché par ça. Il ne faut pas se dire que c'est pour les générations futures. Non, tout le monde doit s'y mettre maintenant. Et donc on le fait dans les écoles. On a déjà fait des formations pour les écoles supérieures aussi. Et donc on aimerait bien aussi le faire dans les écoles d'entrepreneuriat de jardin, qui sont les prescripteurs des futurs jardins et qui malheureusement n'ont pas beaucoup de notions d'écologie. Et donc on voudrait le mettre en place aussi à ce niveau-là, quoi, en tant qu'ASBL. Et ce genre de projet que vous faites aujourd'hui, est-ce que c'est difficile à mettre en place? Ben, je dois avouer qu'ici à Braine-le-Comte, je pense qu'on est assez chanceux parce qu'on a un échevin de l'environnement qui est tout à fait avec nous. Quand on propose quelque chose, il est tout de suite là pour mettre en place tout ce qu'il faut. Et puis ici sur Ennuyère en tout cas, et sur Braine par expérimentation aussi, on fait des appels aux citoyens. Dans les écoles, ce sont les parents en général qui viennent et donc on fait des chantiers participatifs. C'est un côté convivial, ça permet d'avancer plus et les gens, ils s'investissent un petit peu aussi parce que c'est pas toujours facile. On se dit, j'aimerais bien aider, mais comment je peux faire? C'est du concret et pour leurs enfants, quoi, et pour les enfants des générations futures.